Bonjour Stéphanie. Bonjour Valérie. Alors j'ai une question pour une de mes amies qui est mariée sous le régime de la séparation. Son mari possède des biens de famille. Il est en ce moment malade et elle se posait la question de savoir ce qu'elle aurait comme revenu au décès de son mari. Alors, ton ami est marié donc sous la séparation, ouais. Mais ils ont des enfants communs. Oui, ils ont des enfants en commun. Ils ont uniquement des traditionnels, on va dire. Ils ont uniquement des enfants communs. Eh bien, à ce moment-là, en étant déjà marié, le conjoint va bénéficier de la pension de reversion, c'est-à-dire une quote-part de la pension de son mari. Une quote-part, ça veut dire quoi? C'est à peu près la moitié globalement de la pension de son mari de et plus effectivement sa propre retraite. Voilà. Et ensuite, le fait d'avoir effectivement des enfants uniquement communs, elle bénéficiera de toute façon de l'usufruit de la succession. C'est l'usufruit, c'est l'usage. Elle va pouvoir habiter un bien, l'appartement. Qui appartient, qui serait au nom de son mari. Voilà. Et elle peut aussi, pour les biens qui sont loués, elle va pouvoir en bénéficier des loyers, ce qui lui permettra d'avoir une source de revenus supplémentaire. Après, il peut y avoir également l'assurance vie. Son mari peut avoir souscrit une assurance vie à son profit, ce qui lui permettra d'avoir une somme d'argent. Et puis, elle aura également l'usufruit sur les sommes, sur les comptes bancaires. Elle va pouvoir utiliser les comptes bancaires. Merci beaucoup, Stéphanie. C'était très clair. Merci Valérie.